Léandre Dossou, bonjour. Bonjour à Habib Koukoubou, bonjour à tous et à toutes. Les membres de l'Union fait la nation étaient hier face aux jeunes des mouvements et associations du Bénin. Ils ont échangé sur la vie de la coalition, sur son candidat unique et sur les stratégies à adopter pour l'avenir. La rencontre s'est tenue au siège de l'Union fait la nation à Cotonou. Tanguy Agoyi, Rachid Isouero. À son siège national à Cotonou, l'Union fait la nation était au contact des jeunes, des mouvements et associations amis ou militants de ce regroupement politique dimanche matin. Il s'est agi pour la coordination nationale d'échanger avec eux sur le quotidien de l'UN et surtout de recueillir leurs avis sur son fonctionnement et sa configuration. La séance venait à propos. L'éternel reproche du manque de communication a été fait à l'Union et l'image de son candidat reste encore maculée des traces de son passé. Les jeunes ont déploré ses nombreuses démissions dont la plus présente dans les esprits est son abdication de la tête de la mairie de Porto Novo. La réponse vient sous la forme d'une question. Selon vous, est-ce que c'est bien que quelqu'un qui est député, d'accord, confisque le poste de maire de la mairie de Porto-Novo, lui seul? Pendant 4 heures d'affilée, ils ont échangé sur divers points et les jeunes semblent désormais mieux éclairés. Les raisons qui ont motivé cette union, je ne le savais pas. Donc c'est de cette séance que j'ai tiré cela. On vous a convaincu? Oui. Convaincu, mais pas totalement rassuré. L'avenir de cette union dépend et se définit par rapport à ces éléments qui devraient en constituer la pierre angulaire, ont conseillé certains. Il faut construire et être sûr de la construction parce que, à nous, notre pur ennemi, ce n'est pas celui que nous voyons de l'autre côté, mais plutôt, notre ennemi se trouve en nous. La confiance s'est installée à rassurer la coordination. La vision est unique et collective et va au-delà des élections de 2011. Nous avons envie de construire quelque chose d'autre pour notre pays. Quelque chose qui dure. Pour y arriver, l'Union compte sur les apports de tous et surtout ceux des jeunes. Leurs propositions ont été récoltées sur papier pour servir de source d'inspiration. Porto Novo et Poubé ont accueilli ce week-end les ténors de l'Union fait la nation. C'est dans le cadre de l'installation des coordinations départementales et communales. À l'occasion, les membres du bureau national de l'UN ont échangé avec leurs militants sur les grands sujets de l'actualité nationale. Grande mobilisation ce samedi des militants et sympathisants de l'Union fait la nation à Poubé et à Porto Novo. Cette sortie des ténors de 1 dans les départements de Lomé et du Plateau s'inscrit dans le cadre de la cérémonie d'installation des unions communales provisoires dans ces deux départements. Il sonnait environ 13 heures quand la délégation de l'Union fait la nation, conduite par El Hadj Sefou Fagoum, a fait son entrée dans la maison des jeunes de Poubé. À leur descente, les membres du bureau exécutif de l'Union fait la nation ont été accueillis par un tonnerre d'applaudissements des milliers de militants qui attendaient impatiemment leurs hôtes. Adrien Mbedji, candidat unique de l'Union fait la nation, au milieu de ses partisans, agite les mains pour présenter ses civilités à l'auguste assemblée. Après le mot de bienvenue du maire de la localité, suivront les allocutions d'Idji Kola Olé et du président Bruno Amoussou, qui n'ont pas tari de mots pour saluer les populations qui ont fait le grand déplacement pour écouter le message de l'Union fait la nation. Mais déjà, je voulais dire à ceux qui ont été choisis dans les unions communales provisoires qu'ils doivent réfléchir à certaines questions importantes. Ils doivent réfléchir pour savoir comment nous allons nous organiser pour que si quelqu'un vient ramasser 100 milliards dans notre pays, nous puissions être au courant. Comment nous devons nous organiser pour que personne ne disparaisse sans que l'on ne sache où il se trouve. À Porto Novo, la cour de la maison des jeunes de Tchadanzabi était devenue trop exiguë pour contenir les militants. Tour à tour, les différents présidents et représentants des formations politiques qui composent l'Union fait la nation sont passés au pupitre pour expliquer la vision et la détermination des responsables de 1 à rester unis pour bâtir le Bénin de demain. Nous avons compris très bien qu'il est temps pour nous de nous retirer de la scène politique.
mais en même temps, nous avons vu la situation du pays et nous nous sommes dit, là, il faut une nouvelle transition pour ouvrir la voie à des jeunes que nous aurons correctement préparé. Pour le candidat unique de l'Union fait la nation, Adrien Mungbedi, qui a préféré s'adresser à son auditoire en Goun et en Yoruba, l'heure n'est pas encore au grand discours. Il a conseillé ses militants à resserrer les rangs pour une victoire certaine. À Kobe comme à Porto-Novo, des centaines de militants ont été officiellement installés dans les différentes coordinations communales. Cette tournée de l'Union fait la nation ce week-end est le signe annonciateur que cette alliance des partis de l'opposition affûte déjà les armes pour les échéances électorales de mars 2011.